osé me tromper. Moi, son mec préféré. Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez cette vidéo à vos amis. Et dites-moi maintenant, comment réagirez-vous si vous découvrez que votre femme que vous aimez bien, si vous découvrez que cette femme que vous aimez vraiment bien, si vous découvrez qu'elle vous a trompé, comment réagirez-vous si vous découvrez que votre femme préférée vous a trompé? Un tout de ouf. Ça se passe encore, mes frères et sœurs. Ça peut arriver. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Nul n'est parfait. Moi, j'ai beaucoup remarqué que dans ce genre de situation, les femmes, là, elles pardonnent beaucoup. Les femmes, elles pardonnent vraiment beaucoup de telles situations. Elles arrivent à trouver une place dans leur cœur pour pardonner aux hommes. Mais souvent, les hommes, ils se jouent le dugard. Genre, eux, on ne les trompe jamais, quoi. Tromper sa femme, tromper son homme déjà, c'est une mauvaise affaire. C'est une très mauvaise affaire. Faites tout pour ne pas tomber dans de tels pièges. Mais si ça arrivait, on ne sait pas, là, vraiment, arrangez-vous pour que personne ne soit au courant. Que ça se règle en famille. Que les deux personnes arrivent à trouver une place dans leur cœur pour pouvoir se pardonner. Ou encore régler le problème tranquillement. Je dois dire à la meilleure. C'est ce qu'il faut faire, non? Je pense bien que c'est ce qu'il faut faire. La vie est courte. Nous devons apprendre à nous pardonner. Maintenant, dites-moi les femmes, comment faites-vous pour pouvoir pardonner facilement? J'aimerais bien savoir ça. Parce que j'ai vu un truc un jour, vous savez, sur YouTube, les gens font des pranks, beaucoup de vidéos pour essayer de voir comment les gens vont réagir. Et je suis tombé sur une vidéo où j'ai vu un jeune homme qui a décidé de prendre une personne que sa copine ne connaît pas. Du genre... Une personne qui est sur Instagram, qui n'est pas connue par sa copine. Et il a décidé de faire une vidéo du genre Teaching on my girlfriend. Du genre, il va faire croire à sa petite amie qu'il la trompe. Et lui et la fille ont botté le coup. Et les deux étaient là. Ils attendaient l'arrivée maintenant de la fille. Pour voir comment elle va dégamer, elle va même gâter le coin. Et ils étaient même assis sur le lit en position de. Voilà, comme si le dieu se préparait à faire les trucs. Elle aussi, elle est arrivée comme ça. Quoi? Sérieux? Comment peux-tu me faire ça? Après tout ce que j'ai pu faire pour toi? Il dit non, c'est pas ce que tu crois. Et c'est pas ce que je crois, comment? Mais c'est qui cette fille? Non, c'est ma cousine. Il dit sa cousine. C'est une fille, elle a dit sa cousine ce jour-là. Ah, c'est ma cousine. Elle a dit le gars comme ça. Oh, c'est ton cousin. Oh, c'est ta cousine. Elle dit, what? Tu dis, c'est ta cousine. Elle s'est pas là. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu as osé me faire ça? La fille, elle a regardé cette situation. Elle dit, bon, attends, je vais me lever pour partir. Comme il dit à sa copine que moi, c'est sa cousine. Elle se lève. Elle essaie de sortir. La fille la bloque, elle dit non, je ne vais pas partir. Tu viens ici pour faire des trucs avec mon petit ami et tu veux te lever comme ça pour partir. Sa petite amie essaie de régler le problème, calmer un peu et la fille a pu sortir. Mais quand les deux sont restés seuls dans la chambre, la fille, elle était tellement touchée. Elle leur dit, mais pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça à moi? À moi, ton bébé, ta chérie préférée. Lucie, elle est là. Ah, vraiment, pardonne-moi. J'ai pu répondre. Elle a été pleurer. Elle dit, sérieux, tu me promets, tu as pu répondre. Il dit oui. Elle était dans l'âme. Mais elle a toujours tombé dans ses bras. Et elle a embrassé encore sa petite amie. Les deux ne sont pas mariés, elle s'est affaire de Goueka. Et regardez comment elle s'est comportée. À un moment donné,
Ce jeune homme était tellement touché. Il dit, bon, attends, il lui dit, attends, il lui dit en même temps que c'est de la blague. Et il va maintenant lui dire, regarde, regarde la caméra. Elle regarde la caméra, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'était un prank. Quoi? Sérieux, c'était un prank? Pourquoi peux-tu jouer avec moi comme ça? Dans son cœur, elle-même, elle était touchée, elle était contente que ce soit un prank. Mais vraiment, ce comportement-là m'a tellement dépassé. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont un comportement bizarre. Dans cette situation, je ne sais pas comment ils vont se comporter souvent. C'est pourquoi moi, j'ai fait cette vidéo en même temps pour vous demander à vous, tous les hommes ici, comment se fait-il que parfois vous avez du mal à pardonner à la femme qui vous a trompé? Oh, les femmes souvent pardonnent facilement. Les femmes encaissent beaucoup. Même on voit les gens ici qui se marient avec deux, trois femmes. Et puis même les femmes, elles s'entendent bien, mais elles s'entendent, oh, tu vous savez, ma copine, c'est comment? Elle appelle, comment elle appelle, comment les deux s'appellent même entre elles. Elle appelle la deuxième femme à son mari sa copine. La deuxième femme à son mari aussi s'entend bien à elle. Et si tu ne fais pas attention, si tu veux venir te mettre entre eux là, les deux femmes risquent de s'associer contre toi. Parce qu'elles ont réussi déjà à accepter ça. Or, c'est même interdit. Hein. L'homme doit quitter son père, sa mère pour s'attacher à sa femme, une seule femme. Mais les gens pensent qu'ils sont trop forts. Ils veulent me montrer à Dieu que Dieu les a tellement bien créés qu'ils peuvent se marier avec 10 femmes, même si c'est possible. Faisons attention. Faisons ce qui est juste et évitons beaucoup de choses. Vous avez vu que dans cette courte vidéo, nous avons donné beaucoup de conseils. Et c'est ça! Nous sommes en famille, c'est sûr! Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez. Et n'oubliez pas de me répondre, dites-moi maintenant. Comment les femmes arrivent-elles à pardonner facilement par rapport aux hommes quand il y a le cas de tromperie? J'aimerais bien savoir. Ok, c'est parti pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse, frère et soeur, pour nous soins de vous. Let's go.